La Grande-Bretagne sous-traite à la France l'exploitation, l'administration de sa frontière depuis les accords du Touquet en 2003. Donc la France est chargée de bloquer en fait le passage de ces migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne à Calais et sur toute la côte nord de la France. Les Britanniques payent pour l'administration de cette frontière. Ils ont investi au moins 140 millions d'euros dans les dernières années pour renforcer les barrières. En échange, ils espèrent ne pas avoir à accueillir de migrants et de réfugiés et laisser la France gérer le problème. Lors du démantèlement de la jungle l'année dernière de Calais, les Britanniques s'étaient engagés à accueillir tous les mineurs isolés qui souhaitaient venir en Grande-Bretagne, ainsi que les personnes qui avaient déjà de la famille en Grande-Bretagne. Ça représentait entre 2 et 3 000 personnes. Et sur ce chiffre, ils n'en ont accueilli que quelques centaines en étant très, très stricts sur les conditions d'accueil.